Décidément, ce jingle est vraiment magnifique. Bonsoir tout le monde. Je suis encore une nouvelle fois en direct du festival Nice Fiction, 6e édition, édition 2.0, en raison des circonstances sanitaires que vous connaissez déjà tous. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Mano Quante. Bonsoir Mano. Salut Vinsou, bah, content d'être avec vous hein, et que Nice Fiction puisse se tenir, ça fait vraiment plaisir. Très content de t'avoir avec nous aussi. Donc, nous sommes là pour parler de toi et de ce que tu fais. Tu es l'auteur du JDR de science-fiction quantique. Est-ce que tu peux nous parler de cette chose, s'il te plaît? Oui. Donc, c'est un jeu de rôle de science-fiction. Voilà, qui est cyberpunk et de science-fiction. Ouais. Il a été financé donc là, il est en finalisation. On est en train de faire les dernières illustrations voilà quoi. Pour l'instant. D'accord, donc tu nous dis qu'il a été financé, donc tout ça, ça a pris combien de temps la période de financement et tout ça, ça a été compliqué ou ça s'est fait relativement facilement? Ça a été dense, voilà, ça a été dense. Ouais. Il y a eu une préparation avant de mettre le projet, tout ça, en ligne. Ça a duré peut-être 3 mois, voilà. Après, la période de financement, ça a été fait sur 1 mois et 1 semaine de mémoire. Bah ensuite, voilà, les gens ont apprécié le projet suffisamment pour qu'il puisse être produit. Ouais. Bah là, maintenant, on est en train de finaliser tout ce qu'on a promis. Donc, du coup, c'est un livre de base qui va faire 3 petits livrets. Enfin, petits, ils font 100 pages chacun, quoi. Et ensuite, il y a aussi un 4e livre qui est le livre de campagne qui va faire une cinquantaine de pages qui va avec l'écran. Voilà. D'accord. Et voilà, ça donne un peu l'idée. D'accord, donc déjà, laisse-moi te dire que je suis très content pour toi que tu aies ton financement, car pour avoir testé ton jeu plusieurs fois, je trouve que ça mérite. Et pour le soutien des petits auteurs comme toi, moi, je trouve que c'est très bien et j'espère que tu vas aller très loin avec ça. Donc, tu nous disais que tu vas avoir donc 3 livres qui contiennent des pans, enfin des plis de règles, c'est ça? Et un autre livre qui va se concentrer sur l'histoire principale. Alors, en fait, dans le premier, il y a la création des personnages qui est assez fournie, quoi. On peut vraiment personnaliser son personnage. Enfin, je pense que c'est impossible, ou alors il faut être à côté de quelqu'un de faire le même personnage que quelqu'un d'autre. Donc, on peut vraiment le faire à son goût. On peut aussi jouer des archétypes, hein, si on veut. Il y a des archétypes qui sont proposés. Il y a plusieurs types de création. Et ensuite, il y a les règles. Voilà, ça, c'est dans le premier livre. Dans le deuxième livre, il y a du matériel. Il y a pas mal de matériel, des capacités quantiques, parce que les joueurs, donc dans ce jeu, les joueurs, ils peuvent altérer la réalité. Donc tous les joueurs sont des 9 quanta. Ouais. Donc pour vous, ouais, c'est le principe du jeu. Je vais peut-être le placer avant d'expliquer ce qu'il y a dans le livre 2. Donc dans le principe du jeu, c'est que voilà, les joueurs ont tous la possibilité d'altérer la réalité. Et donc par exemple, si jamais ils veulent mettre un superbe coup d'épée, ils l'ont raté, ils veulent s'assurer le coup. Ils vont dire, non, non, moi je préfère m'assurer le coup. Donc ils vont voir dans une multitude de réalités celle qui les intéresse. Ils vont la choisir. Et donc ce coup d'épée qui était douteux, ils savaient pas trop s'ils allaient bien pouvoir le mettre. En fait, bah, ils vont pouvoir faire apparaître un double 2 qui prend leur place. Donc c'est invisible aux yeux de tout le monde. Hein. Donc ce double vient, prend la place et met un superbe coup d'épée fusion. Donc le coup est extrêmement bien réussi, puis ensuite il repart. Ce qui permet aux joueurs d'altérer l'histoire à leur avantage. Voilà. Donc ça se passe bien, ça se passe bien, jusqu'à ce que si jamais ils le font trop, donc il y a une bourse qui est un goodies. Les joueurs, ils vont pouvoir piocher dedans à chaque fois qu'ils altèrent. Et s'ils altèrent trop, ben à ce moment-là, la réalité peut céder, la trame du réel cède. Et là, c'est le MJ qui reprend la main. Moi, c'est lui qui va modifier l'histoire et qui le fait comme il en a envie, en fait. Voilà, c'est ça. D'accord, donc en fait, tu me dis que si moi je vais être sûr de donner un coup, je fais mon pouvoir quantique et du coup je réussis en gros automatiquement mon coup.
Voilà, Mais ça fait que pour un joueur comme moi qui suis un guignard de première au lancer de dés et qui rate toujours tout, ça fait que si moi je vais me prendre un coup de la part de quelqu'un qui veut potentiellement du mal, n'est-ce pas? Je peux esquiver automatiquement ce coup aussi alors. c'est ça en fait. Si jamais, voilà, t'as pas besoin de lancer les dés, tu dis je vais altérer la réalité. Et donc tu vas dépenser des points de quantum. Mais ils vont se cumuler dans une jauge. Donc plus la jauge est haute, bah plus tu risques de piocher dans la bourse des jetons. Dans cette bourse, il y a un blanc et un rouge. Tant que tu pioches des blancs, tout va bien. Quand tu pioches le rouge, c'est le MJ qui reprend la main. Et là, ils te disent ce qui se passe, la trame du réel ACD. Et donc, il y a quelque chose que le MJ a D'accord. prévu. Voilà. D'accord. Donc, dans la mesure où moi j'utilise trop mon pouvoir, je risque une aggravation, enfin un effet aggravé pour mon cas ou pour mes équipiers. Ah voilà, c'est ça, c'est ça. Si jamais c'est trop utilisé, bah, il peut y avoir alors une aggravation. C'est pas forcément une aggravation, mais il peut y avoir un changement de liste d'histoire. Donc c'est le MJ qui va te dire, bah, voilà, moi je trouve que l'histoire elle est mieux comme ça. Alors par exemple, tu étais extrêmement riche et d'un seul coup le double qui est venu, il reste. Donc tu es obligé de jouer le double qui est venu. Et ce double-là, bah, il a pas un copec. Donc du coup, toi qui étais habitué à dépenser et à payer tout à tout le monde, d'un seul coup, bah, tu te retrouves à demander de l'argent aux gens. Voilà, par exemple. Donc en combat, c'est pas dérangeant, mais un peu plus tard dans l'histoire, il y a ça. Bon, bien sûr, c'est temporaire, hein, pour pas que ça soit punitif. Mais voilà, il y a ça comme exemple. Hein. Oui, d'accord. Donc ça n'a pas une influence que sur les combats, ça a aussi une influence sur l'évolution générale du personnage, quel que soit, en prenant en compte aussi, on va dire, ses aptitudes sociales. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est Il peut, le combat peut très bien se passer. Hein. D'ailleurs, quand tu mets ce coup, le coup magnifique marche. Sauf que ça n'arrête pas ton coup. Le coup magnifique marche, mais il y a une altération. Par exemple, tu étais un homme, bah, d'un seul coup, tu es une femme. Donc, du coup, tu dois jouer une femme. Voilà. Etc. Voilà, il y a plusieurs types. Il y a des tables pour les MJ qui sont pas trop expérimentés ou qui préfèrent se rassurer en se disant, je tire sur une table. Voilà. Et puis, ceux qui ont un peu plus d'expérience, ils disent, voilà, je vais plutôt faire ça parce que dans l'histoire, c'est sympa. Donc toi, temporairement, tu es amoureux de l'autre, ou alors tu es le traître, voilà, des choses comme ça, quoi. Enfin, c'est OMG d'être Ah oui, très d'accord. Donc c'est un peu un noyau de rebondissement de situation complètement inattendu quelque part, quoi. Voilà, pour les joueurs, c'est inattendu, c'est ça. Mais après, ça arrive pas en permanence. Il hein, faut vraiment. Oui, ça arrive dans la mesure où quand on pioche le jeton noir de ta bourse, c'est là que patatrac, quoi. Voilà, c'est ça. Si tu pioches le mauvais jeton, il y a un petit souci. Donc en fait, là, tu peux altérer Petit la souci, ouais. réalité. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et les joueurs, ils ont aussi des capacités autres que ça. Ça, c'est la capacité principale, puisque tous les joueurs sont des novquanta, ils sont des éveillés qui peuvent modifier la trame du réel. Il y a une histoire dans le background derrière avec ça. Donc eux, ils peuvent la modifier. Ils doivent essayer de deviner qui ils sont, tout ça. Et ils vont se déplacer au sein de dystopie. Bah, je vous montre un peu, voilà, quelques images de ce Oui, qui se passe. fais-nous plaisir avec tes images. C'est vrai que ça va parler à pas mal de fans de science-fiction, je pense. Des petites illus, voilà. Donc, bah, je les ai. Voilà, ça c'est, voilà, pour des ambiances. Donc là, c'est Beta Solaris, donc c'est la capitale du système solaire. Voilà, on voit, c'est une gigantesque station avec d'autres stations à côté. Ensuite, ah oui, dans le jeu, il y a quelque chose d'un peu spécial, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer plusieurs thèmes. Donc, les thèmes, c'est bah, par exemple mercenaires, police spatiale, pirates de l'espace, tout le monde est dans un vaisseau spatial et bon, chacun gère sa partie du vaisseau et donc les joueurs vont de planète en planète. Ou alors, il y a aussi Hiérarque, c'est des maisons, c'est plus intrigue et politique. Donc en fait, chacun est un thème différent, voilà. Et ça, c'est des thèmes D'accord, qui sont ouais. Mais vous, le donc en joueur peut. fonction à partir de l'idée de base dans laquelle le groupe part, ça influe quelque part tout le reste de la campagne, c'est ça? Ah oui, bien sûr, parce que si jamais vous faites des pirates de l'espace, c'est pas du tout la même chose que si jamais vous faites un policier spatial, quoi, des policiers spatiaux. Donc D'accord. oui, si les joueurs et le MJ qui se mettent d'accord, ils peuvent faire leur propre thème, hein. Ça peut être enfin, suivant leur imagination, quoi. Mais Ah oui, bon, dans d'accord. le livre, il n'y avait pas trop la place, alors j'en propose déjà 5. Ça me paraît pas mal pour un début. Voilà. Ah oui.
Et donc, tu Non. me disais que ton jeu était généralement de la, enfin, généralement, c'est de la science-fiction. Ça se passe en quelle année? Et est-ce que ça se passe dans notre monde à nous, enfin, notre futur à nous, ou est-ce que c'est dans un futur totalement imaginé? Alors, c'est dans un futur de, c'est dans le futur de notre système solaire, c'est en 2399. Donc, voilà, là, je vous mets une autre photo d'ambiance. Donc, ça, c'est justement le bar où se situe le mercenaire. C'est un petit QG où les joueurs vont jouer les mercenaires. Mais on peut voir aussi que, bah, ils peuvent aller sur Mars. Donc, a priori, si on ne connaît pas trop le système solaire et tous ses astres, on se dit il n'y a pas beaucoup de choses, mais en fait, il y a plus de 150 astres dans le système solaire, enfin, on approche les 200, donc ça laisse quand même pas mal de marge, voilà, au niveau D'accord. des ambiances. En D'accord. sachant que par exemple, sur Mars, bah, c'est une, oui, j'ai oublié de le dire, c'est une dystopie. Donc, suivant les lieux où on est, il y a des dystopies. Donc, ça. Dans le livre 2, donc il y a le matériel, les capacités, donc il y a les vaisseaux spatiaux, les implants cybernétiques. Donc on voit que c'est vraiment dans notre futur. Hein. C'est quand il y a la possibilité d'hommes augmentés, il y a pas mal d'armements aussi. Enfin, il y a beaucoup de matériel. D'accord, donc ça fait Et que si je veux avoir des yeux scanners comme Terminator, c'est possible alors. ah oui, bah oui, tout à fait, tout à fait. Oui, bah oui, puisque alors du coup on peut choisir les implants qu'on veut, voilà. Il y en a qui sont plus chers, donc peut-être que l'EMJ va pas les donner tout de suite. Il faudra attendre un peu pour avoir suffisamment de solar, c'est la monnaie du jeu, pour pouvoir les obtenir, quoi. Mais il y a toute une série de, oui, il y a une série de d'implants cybernétiques, de matériel, de vaisseaux spatiaux, de véhicules. On peut faire des courses de moto, de voitures volantes. Voilà, c'est quand même assez. Enfin, le livre 2 en termes de matériel. D'accord. Donc toi, t'es J'aimerais dans les... revenir. J'aimerais revenir sur le premier livre que tu m'as parlé, qui regroupe donc la création de personnages. Donc je suppose qu'il y a plusieurs races jouables dans ton jeu. Ah oui. Alors, je vais vous montrer quelques archétypes parce que j'avais d'abord classé les archétypes et puis après je vous montre un peu les races qui sont présentées. Alors, dans les archétypes, on a... Hop. Voilà, par exemple, là, on a typiquement un psionique, voilà, un psy, quoi. Donc, voilà. Donc, lui, D'accord. il fait partie de la division psy et c'est rattaché à la police. Donc, c'est la super police du système solaire, quoi. D'accord, donc. On a ici, par exemple, un hiérarque. Donc, lui, par exemple, c'est un sélénite, mais je vais vous montrer les races après. Vous voyez, il a un implant cybernétique qui lui permet d'avoir une lame qui sort de sa main. Alors j'en ai quatre. Hop, j'en ai mis quatre. Voilà, une ombre, un ninja de l'espace, quoi. Voilà. Vous voyez qu'il y a du matériel. On est dans le futur, mais bon, les cultures ont évolué, mais il y a quand même des traces des cultures actuelles. Donc là, Oui, non, mais ensuite, même dans le futur, on a toujours des objets comme des télécommandes ou quoi. Donc, bon. voilà. Et là, c'est un Spartiate, voilà, donc du coup, il a un bouclier qui le protège, tout ça. D'accord. Alors, les races, on y vient. Alors, je vais peut-être passer un peu vite, quelques images, et puis on va aller directement aux races. Hop. Si ça coince pas trop. Ça commence jamais. Ça va bien se passer. Impossible. Ok. Hop. En tout cas, tous les dessins que je vois passer là, ils sont franchement magnifiques, hein. Tu me disais que tu les avais fait en partie toi, c'est ça? Ouais, alors bah là par exemple, on est plusieurs illustrateurs dessus, on va y arriver. Bon voilà, mais du coup, alors ça par exemple c'est un Gaian. Ah bon, ça avance. C'est le flux informatique Oui, voilà, c'est le quantique. c'est tout à fait. Il y a une altération de la réalité qui fait fluctuer. Voilà, on est arrivé sur les races, très bien. Alors voilà, ça par exemple c'est un illustrateur qui s'appelle Guillaume Follet, voilà. Lui s'occupe des races, il fait aussi les couvertures. Et donc, bah, je vous laisse un peu apprécier pendant que je présente les races. J'en ai mis 6, mais en fait, il y en a 8, mais je garde un peu des surprises, voilà, pour la D'accord. sortie. Tu Mais veux dire déjà, huit races, c'est ça? voilà, c'est ça. Il y en a 7 dans le livre de base, et puis il va y avoir un bonus de races, voilà, qui va être proposé
à ceux qui ont pledgé, tout ça, enfin ceux qui sont intéressés par le jeu. Donc ça, c'est Android. Donc on peut jouer des Android. Voilà. Bon, là, typiquement, voici une Android. Ça, c'est un Gaian. Donc plutôt costaud. Ouais. Un beau morceau, quoi. Plutôt, oui. Ça, c'est un Homo Metallicus. Donc, ceux-là, ils sont à moitié, ils sont en symbiose avec des nanites qui imprègnent leur corps depuis la naissance, quoi. Et donc, quand ils sont petits, ils en ont pas beaucoup, mais plus ils vieillissent, plus ils ont de nanites. Et quand vraiment, ils sont très âgés, bah, à ce moment-là, ça devient des blocs et ils bougent plus. Voilà, c'est la fin de leur vie. Donc, ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est un peu à double tranchant. Si la campagne dure longtemps pour un joueur, il peut se retrouver victime de ce qu'il a été, quoi. Alors éventuellement, mais là on est, enfin leur durée de vie, elle est comme, enfin un peu plus longue que la nôtre, donc c'est comme si on se retrouve tellement vieux de nos jours qu'on finit par mourir, quoi. Donc oui, c'est pas des durées de vie courtes, ça dure un bon petit moment. Ouais. Ah d'accord. Alors j'ai une première question de Marine Gideon qui te demande bonsoir Monsieur Mano Conte, votre VDR a l'air super génial, mais j'ai deux petites questions. Quand pourrons-nous avoir le plaisir de le tenir entre nos mains? Ah, alors, pour l'instant, on a fini donc la maquette. On a fini toute la maquette. Il nous reste les emplacements pour une série d'illustrations, en train de les finaliser. Pendant le confinement, les illustrations, elles se sont arrêtées, donc on a perdu un peu de temps, quoi. Mais là, on s'y est lancé, donc j'en profite pour en présenter certaines qu'on a faites, quoi. Voilà, des nouvelles illustrations. Donc, je pense qu'il y en a pour… Enfin, c'est un peu difficile à voir, mais bon, il y en a pour quelques mois, quoi, mais pas 6 mois, quoi. Enfin, il y en a… Enfin, on va au plus vite, voilà. On d'accord, est en train donc de tu tables environ sur style rentrée scolaire, fin d'été, ouais. Un truc comme ça, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Je pense peut-être la rentrée scolaire, voilà, donc il y a 4 illustrateurs, il y en a 2 qui ont 5 illustrateurs, il y en a 3 qui ont fini leur travail, donc ils ont fini les illustrations, et donc on est 2 illustrateurs et on continue d'être dessus. Mais bon, comme on veut que ça soit un jeu avec pas mal d'illustrations pour que le monde il soit plus sympa et qu'on le prenne mieux en main, bah il nous en reste encore à faire. C'est ça. Donc on est dessus. Voilà. Par exemple, là tout à l'heure, j'étais en train d'illustrer. D'accord. Donc, on part sur environ voilà fin d'été pour donc pour la question quand aurons-nous le plaisir de l'avoir dans nos mains. Donc j'espère que ça va aller pour tes délais. Deuxième question, pour les autres personnages que celui qui utilise le quantique, est-ce qu'il voit le changement de ou du personnage qu'il vient d'utiliser le pouvoir, ou pour eux c'est tout à fait normal? Alors en fait, celui qui va utiliser le quantum, il sait qu'il est remplacé. Donc il voit ce qui se passe. C'est-à-dire que celui qui est remplacé, il sait ce qui se passe. Mais les autres personnages, ils voient rien du tout. Sauf si il voit qu'il fait une superbe action. Si je prends par exemple le coup d'épée, ou s'il essaye de convaincre une foule. Bah, ils disent, ah, lui, il est fort, il a convaincu tout le monde, parce que forcément, dans les probabilités, vous êtes allé choisir celle qui vous intéresse le plus, quoi. Par exemple, si vous êtes en train de combattre, vous voulez couper juste la sangle de ceinture qui retient l'arme de votre adversaire, bah, vous choisissez pile cette action, la ceinture tombe, et les autres, ils disent, waouh, quel combattant incroyable. Mais c'est tout. Le seul moment où il y a quelque chose, quand il y a un problème. Ah oui, d'accord. Donc, ça veut dire que tu me disais tout à l'heure que par rapport aux ruptures quantiques et tout ça que ça pouvait occasionner, un joueur pouvait changer de sexe. Donc, ça fait que si moi, je joue à un personnage homme et que suite à un échec, je me retrouve en femme à la fin de l'action, pour mes équipiers et pour le monde, j'ai toujours été une femme. Il n'y a que moi qui me dis « Ah, mais merde, il manque quelque chose, quoi. » Non, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que pour tout le monde, ils te regardent et ils disent « Oh là, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais c'est devenu une femme, donc eux, ils réalisent qu'il y a un problème, il y a une altération de la réalité. D'ailleurs, c'est le sous-titre du jeu, la réalité altérée. Mais pour toi, comme tu as une réalité altérée, bah toi, c'est toujours tes coéquipiers, comme dans ta réalité, tout est normal. Donc en fait, pour toi, tu joues une femme et tu as toujours été une femme. C'est voilà, tu étais là, tout va bien, voilà. Donc du coup, tu es obligé de jouer une femme
puisque tu viens d'une autre réalité et tu as toujours été une femme. Voilà. Si je prends l'exemple d'une femme, D'accord, ça peut d'accord. être. Donc, oui, ça fait que quelque part, au niveau roleplay, faut vachement s'adapter quand même à ces changements qui peuvent être importants, ne serait-ce qu'au niveau physique, par exemple. Ouais, alors voilà, physique, ça peut être mental, hein, parce que voilà. Bah oui, les joueurs, voilà, par exemple, le MJ se lève, il lui dit à l'oreille, voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu viens de voler son arme fétiche à telle personne et t'as pas envie de lui rendre. Voilà, bah du coup, tu le joues, c'est un nouvel Ah oui, événement. Et c'est des d'accord. rebondissements dans l'histoire, c'est le but, hein, que ça fasse des rebondissements, voilà. Par exemple, ou D'accord. alors, tu joues une femme et voilà, du coup, tu joues une femme. Ok. J'ai une autre question toujours de Marine Gideon. Oui. Est-ce que des suppléments sont déjà prévus pour le jeu? Alors, en fait, oui, donc voilà. Donc, il y a les trois premiers livres qui forment le jeu de base. Il y a un quatrième qui va avec l'écran. On peut dire que c'est un supplément, en fait. Ouais, c'est le premier supplément, on va dire. Et D'accord. donc, dans celui-là, il y a une campagne qui fait une dizaine de scénarios, pour faire simple, plus quatre one-shot, donc quatre après-midi, plus il y a un début de campagne, voilà, d'une deuxième D'accord. campagne. Donc, bah, il y a la suite de prévu, et puis il y a aussi, voilà, enfin, on a plein d'idées, mais déjà pour l'instant, on se concentre sur ce qu'on a à faire là tout de suite, c'est-à-dire Oui, les non, non, illustrations. bien sûr, c'est Oui, déjà un gros morceau. oui c'est ça. J'ai pas mal de trucs à faire. Ouais. Et Voilà. depuis combien de temps tu fais déjà jouer ton jeu quantique dans des festivals, des présentations publiques? Tu en fais déjà depuis quelques années? Ah oui, ah oui, là oui, ça fait un moment là. La date, je sais pas, mais on va dire ça fait moins 3-4 ans, voilà. Ouais, j'ai pas mal testé en convention. On a testé en association aussi. Moi, je fais partie d'une association en fait qui est à Nice. Voilà, je suis niçois avec les autres membres de l'équipe. Bah, pas tous, mais il y en a certains qui sont niçois aussi. Du coup, l'association qui est très bien, très dynamique, elle s'appelle C'est pas drôle, CPDR à Nice. Très bonne association. D'ailleurs, si vous êtes en Nice, il faut aller voir hein, là-bas. Il y a une bonne D'accord. ambiance. Vous avez Et en entendu fait, les Niçois, si vous êtes en manque de JDR, c'est pas drôle. ouais, tout à fait. Et donc j'ai joué aussi au sein de l'association, on l'a pas mal testé avec plein de groupes. D'ailleurs, ils m'ont beaucoup aidé pour peaufiner le système. Ouais. Il y a deux types de systèmes. Il y a le système qui tourne vraiment très fluide et qui requiert pas beaucoup de règles et tout ça. Donc comme Ouais. ça, ceux qui sont pas très très expérimentés, parce que dans cette association, il y a des nouveaux joueurs, il y a des anciens, tout ça. Donc les nouveaux joueurs, ils sont capables de jouer, c'est vraiment très simple. Et après, il y a la version avancée. Et donc là, c'est vraiment quand on peut la faire jouer au bout d'un moment ou si on se sent quoi, ou au fur et à mesure, on peut rajouter des modules pour arriver jusqu'à la version avancée. Et là, il y a plus de possibilités quoi. On peut plus customiser. Par exemple, dans la version de base, il n'y a pas les critiques. Mais si vous voulez, vous pouvez dire, est-ce qu'on met le module critique? Oui, c'est bon, bah on le met quoi. Et puis la séance d'après, on peut dire. Voilà, est-ce qu'on met le type de balle différent? Moi, j'aimerais bien tel type de balle. On commence à custom les balles ou pas. Est-ce qu'on met des localisations? Voilà, il y a plein de modules. Le MJ peut dire non, mais ça, moi, c'est trop compliqué, ça m'intéresse pas. Ou alors, ah oui, les localisations, c'est pas mal comme ça. On voit où t'es touché exactement. Voilà. Il est prévu pour démarrer de tout doux à un jeu avec toutes les options, quoi. Voilà. Et le MJ D'accord, donc s'arrête. ça fait en gros une version un peu légère pour les joueurs débutants, voire même les MJ débutants aussi, et ensuite une version très complète pour joueurs aguerris et MJ aguerris qui sont à l'aise avec l'univers et tes systèmes de règles. Voilà, c'est parce que comme ben c'est en fait l'idée, elle vient de l'association où on a pas mal de membres, on est dans les 70, 60, 70, je sais plus exactement. Voilà. Et du coup, dedans, il y en a qui débutent, voilà, il y en a qui viennent, qui découvrent le jeu de rôle, ils n'ont jamais vu. Bon, bah ben voilà, pour ceux-là, ils peuvent s'adapter très facilement au système simple. J'ai fait jouer un enfant de 9 ans, il a réussi à jouer, donc je pense que ça devrait aller. Voilà, et donc j'ai fait jouer aussi des personnes de 60, je crois 66. C'était un couple qui avait jamais joué, et du coup ils ont applaudi à la fin. Enfin, je crois qu'ils ont bien aimé le jeu de rôle. Voilà, s'ils étaient nés en Oh autre là temps, ils ont.
Ouais, c'était super ça. Oui, bah, comme Voilà. quoi, il n'y a pas vraiment d'âge pour faire du JDR. Tout dépend de la Non. façon dont la chose est amenée et expliquée par le MJ, la manière dont, par exemple, comme vu que c'est toi qui as fait jouer ces personnes, d'expliquer l'univers et comment le JDR marche, les lancers de dés, les règles et tout ça, de manière à ce que ce soit compréhensible, quoi. Oui, parce que dans la version de base, c'est juste un dé 10. Donc, soit tu jettes un dé 10, bon, bah, ça, n'importe qui est capable de jeter un dé et de lire, quoi, voilà. Et juste, tu lis Ouais. le dé, tu dis, le dé fait 6, bah, du coup, ça fait 6 réussites. Il n'y a que ça à comprendre. Si tu fais 2, tu jettes, et ça fait 2 réussites. Bon, bah, voilà, c'est facile. Et, ou sinon, tu dis, c'est un peu risqué, je vais utiliser du quantum. Donc, tu dis, bah, voilà, je voudrais faire 6. Bah, vas-y, utilise 6 points de quantum, t'as fait 6. Voilà. Donc, du coup, je pense que n'importe qui est capable de comprendre ça. Et après, bah, il y a les points de vie, voilà, t'as perdu, t'as un pool de points de vie, t'as perdu, voilà, 10 points de vie, bah, et t'en avais 20 et t'en reste que 10. Bon, bah, n'importe qui est capable de comprendre ça, voilà. Donc, ça, c'est Oui, non, vraiment c'est la version. sûr. Voilà, la version simple. Mais bon, voilà, j'ai fait pas mal tourner en festival et, en fait, en même temps que je commence l'histoire, j'explique les règles et, ça s'enchaîne. Et après, D'accord. j'ai fait tester les versions complexes aussi avec des groupes de joueurs qui aimaient bien les règles avancées. Bon, du coup, ça tourne et tout ça. Voilà. D'accord, ça te permet aussi, comme tu disais, avec donc cette association CPDR, avec les retours des membres qui te disent oui, non mais ça, ce serait mieux si tu changeais un peu ça, Ah, si ça. ouais. Oui, parce qu'il y en a, c'est des gros MJ. Il y en a, ils ont des piles de jeux pires que moi. Pourtant, j'en ai déjà pas mal. Et voilà. Ils connaissent tous les systèmes de règles. Enfin, il y en a, ils sont assez forts. Donc, du coup, on en discute. Voilà. Voilà, on se donne des coups de main. Voilà, oui, on les teste, on voit si ça marche. On voit. Donc, ça, on l'a fait pendant un bon moment. Voilà. Du coup, ça a permis vraiment, vraiment de faire un système. D'ailleurs, s'il y en a qui créent un jeu de rôle, je leur conseille fortement de le tester auprès de plein de groupes et tout, en Ah oui, festival. Mais ça. ouais, c'est Il n'y vraiment. a rien de mieux que les playtests en nature et le retour des joueurs. Hein. Ça, c'est, on est d'accord. Oui, c'est ça. Et Hein. Donc, troisième livre. et toi-même. Pardon, vas-y, je te laisse finir le livre. Alors, je vous montre les. Il me restait trois races, parce que du coup, on était sur le suspense, race, on part dans toutes les directions, allons-y. Donc, ça, c'est les Néo-Sapiens. Voilà. On a les Sélénites, voilà, qui sont apparus sur la Lune. Et on a les Stellaires. Voilà, ça, c'est pour les races. Et donc, le troisième livre. Pour ça, de répondre à ta question. Le troisième livre, c'est Le Monde. Alors ça, c'est le livre des secrets que pour le MJ. Voilà, là, il y a tous les secrets. Il y a les dystopies. Les dystopies, c'est une utopie qui vire au cauchemar. Donc, il faut savoir pourquoi. Dans le jeu, il y a des quantiques, c'est le titre du jeu. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Qui ils sont? Qui on est par rapport à eux? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi nous, on a ces capacités? Voilà, il y a toute une série de Ah ouais, parce que questions. pour le coup, il y a aussi des méchants. Enfin, les joueurs sont censés être gentils, je suppose, mais il y a aussi des joueurs, enfin des PNJ qui sont des méchants quantiques. Oui, alors voilà, c'est ça. Dans le jeu, il y a des voilà, il y a des méchants. On n'est pas obligé d'utiliser la trame principale du jeu, mais bon, il y a un jeu avec des secrets et des dystopies, donc il y a pas mal de secrets dessus et c'est intéressant de les explorer pour que les joueurs bah, découvrent des choses au fur et à mesure, quoi. Il y a c'est assez riche en termes de planètes, d'histoires possibles, voilà. Est-il possible, par exemple, pour un joueur de créer son propre empire, quelque part, avec une petite armée personnelle, une puissance sociale, quelque chose comme ça? Oui, alors à ce moment-là, oui, c'est possible avec l'option, si jamais on choisit l'option maison hiérarque. En fait, maison hiérarque, c'est Game of Thrones dans le futur, ou pour ceux qui connaissent, c'est Dune. Voilà, c'est la même idée. Donc, en fait, il y a des grandes maisons. Le système politique est assez étayé dans le jeu. Donc, si on veut l'utiliser, on peut. Voilà. Il y a un système social aussi très fort où il y a une lutte sociale derrière, voilà. Donc, on peut jouer soit dans les bas-fonds. En fait, c'est un jeu, c'est un monde ouvert. C'est-à-dire que c'est un monde où on va pouvoir. Il n'y a pas un thème qu'on va suivre tout le temps, le même thème, tout le temps, tout le temps. On peut choisir un thème et le suivre. Par exemple, police spatiale, on fait que des enquêtes. Mais à l'intérieur, on peut aller dans les bas-fonds. Mais si, par exemple, je veux être un seigneur, on va dire, donc comme dans Game of Thrones. Bah, à ce moment-là, c'est vraiment des intrigues, il y a des méchants
il y a des complots politiques, il y a une république impériale avec des organisations qui vont gérer différentes choses, voilà, qui vont gérer par exemple l'espace, qui vont gérer les marchandises, qui vont gérer certaines fabrications. En fait, dans le jeu, les méga corporations dans l'histoire du jeu, elles sont devenues tellement puissantes, donc un peu après notre époque actuelle, hein, voilà, c'est-à-dire après 2020, elles sont devenues tellement puissantes que bah, elles ont fait tomber les gouvernements, elles ont pris la place. Et puis elles ont dit, bah, puisque c'est comme ça, nous, on va se créer une petite noblesse pendant qu'on y est. Donc ça s'est joué sur une assez longue période. Hein. On va créer une noblesse, on va être à la tête, mais pour pas que les anciens nobles y reviennent, les anciens nobles reviennent, on va s'appeler les hiérarches. Mmh. Donc si les joueurs jouent ça, ils peuvent avoir une maison et commencer à devenir plus riches, faire des complots, faire tomber une autre maison, faire tomber une compagnie marchande pour récupérer son argent. Enfin voilà, il y a des possibilités. Oui, bah là, à partir de là, c'est une source de toutes nouvelles intrigues. Donc ça fait que un joueur peut chapeauter ça d'au-dessus. Alors, de par ses compétences sociales, en faisant exécuter un peu ses basses besognes par d'autres joueurs qui seraient plus aguerris au combat, au tir à feu et tout ça. Ouais, en fait, donc soit le MJ joue le seigneur, et donc les joueurs ils jouent son entourage proche. Ah, oui, d'accord. Soit il y a un joueur qui joue le seigneur, soit ils jouent tous de la même famille. Et en fait, le seigneur il a des maîtres. Qui sont des gens qui sont très forts dans certains domaines, qui vont l'aider parce que le seigneur il fait pas tout seul, il a besoin d'être aidé, il est pas fort de partout. Donc il peut avoir son maître assassin, il peut avoir son maître diplomate, son émissaire, voilà, etc. Son maître espace qui gère les flottes spatiales, enfin voilà, etc. Mm-hmm. Donc il y a une série qui est proposée hein, de possibilités qui sont offertes dans le jeu. Et donc chacun peut jouer son rôle. Ensemble, bah, vous essayez de conquérir ce que vous avez envie de conquérir, quoi. Voilà. D'accord. Donc à partir de là, on se réfère. Enfin, imagine qu'on joue ta campagne et que moi je suis un très haut hiérarque et tout ça. On peut très bien aussi, par exemple, sortir de la campagne pour ensuite essayer de conquérir les autres maisons, par exemple, si on veut, pour faire tomber des complots, ce genre de choses. Oui, alors suivant alors la campagne, suivant qui on est, il y a des implications différentes. Donc il y a le fil rouge de la campagne, mais je vais pas trop en dire parce que sinon je vais un peu spoiler, mais en gros il y a le fil rouge de la campagne. Et donc le MJ, si bon, après c'est comme toute campagne, si on sort trop de la campagne, c'est au MJ de rattraper. Mais bon, disons que le fil rouge, il est là quoi. Donc si les joueurs font autre chose, il va se passer certains événements qui peuvent peut-être les rattraper s'ils suivent pas, voilà. Qu'il soit hiérarque ou qu'il soit, je sais pas moi, contrebandier ou qu'il soit policier spatial. Il y a un truc qui… Ouais, voilà. Mais en gros, voilà. C'est vrai que si on a envie de faire quelque chose hors campagne et faire sa petite histoire et que le MJ est d'accord, bah là, vous avez la possibilité de le faire, quoi, tout à fait. D'accord. Voilà, par exemple, vous jouez des pirates spatiales, un autre thème, bah voilà, vous jouez des pirates et vous allez… piller les nobles les plus riches et vous allez chercher un trésor caché sur un astéroïde. Enfin, c'est d'accord, pouvoir, ça quoi. Peut être pour le coup un objectif perso, quoi. Alors voilà. Et après, il y en a qui. Non, ça peut être un objectif de groupe. Si vous êtes un pirate, si vous êtes un groupe de pirates et que vous êtes dans un. Bah, vous allez. Enfin, il y a des missions en rapport avec la piraterie. Et voilà, parle-moi de toi en tant que toi. Donc, comment tu as découvert le JDR? Alors là, comment j'ai découvert le JDR? Au lycée en fait. D'accord. Au lycée, quand je suis arrivé dans mon niveau lycée, tout ça, je connaissais personne. En seconde, il me semble. Je connaissais personne, personne ne se connaissait. Bon, voilà. Et du coup, on a fait copain-copain avec ceux qui avaient les mêmes goûts. Et puis. Il y en a un qui a dit « Venez à la maison, j'ai un jeu de rôle. » Alors moi, j'avais déjà joué au livre dont vous êtes le héros. Il m'a dit « Ouais, c'est pareil, mais à plusieurs. » Trop bien. Carrément. Et il nous a ramené à la maison, il nous a corrompus. Et du coup, on a j'aime bien le terme « il nous a corrompus », c'est que c'est tout à fait ça pour le JDR. Quand on tombe dedans, en général, c'est vrai qu'on est passé du côté obscur du social. Hein. Ouais. C'est ça. Et tu te rappelles donc de ton premier jeu? Là, ce que tu as joué. Je me rappelle.
Oula, alors c'était à Stormbringer, donc c'est une vieille version, mais après ça s'est appelé Elric dans les nouvelles versions, voilà. Et maintenant ça s'appelle Moonblade, qui est le nom d'une autre épée. Il y a deux épées, hein, voilà, Moonblade et Stormbringer. Donc on a joué à, donc c'était un jeu médiéval sombre où Elric est un anti-héros, voilà. Et là en fait on tirait au hasard, donc là j'ai pas pu choisir. D'accord. Donc j'ai tiré. Et j'avais un marin qui avait une magnifique hache des mers et je naviguais. Voilà, c'était mon premier D'accord. sur les Mais du flots. coup, ça fait que tu as commencé dans un univers d'Heroic Fantasy, mais tu t'es mué dans plus vers la science-fiction, donc quand tu as grandi, quelque part. Bon, j'aime bien plein de thèmes, mais là, le thème qui m'inspirait le plus, c'est la science-fiction, parce qu'en fait, on peut faire des critiques de notre société. On peut se projeter un peu dans le futur, voilà. Et il y a des aspects sociaux qu'on peut évoquer. Ah, j'étais plus inspiré, voilà, parce que c'est vrai que enfin, l'intérêt de la SF, c'est pas juste de, voilà, c'est un petit peu d'être des fois de s'approcher un petit peu de la vérité, faire des petites critiques. Du coup, voilà, j'aimais bien cet aspect-là. Oui, parce que dans le jeu, en fait, les planètes, c'est des C'est inspiré sur la vraie astronomie, hein, donc il y a des vraies données, tout ça. Bon, c'est pas lourdingue, hein. Vous avez vos planètes qui sont bonnes, c'est tout, hein. Voilà. Plutôt que d'apprendre des planètes qui n'existent pas, je me suis dit ça peut être sympa de mieux connaître les astres, tout ça. Donc en fait, ça se passe au sein du système solaire. Pour les races, en fait, elles ont une ascendance qui viennent de nos propres, enfin voilà, qui viennent de nous-mêmes, enfin de nos ancêtres, quoi. Donc, il y a un arbre de l'évolution, tout ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle des néo-sapiens. Voilà, c'est la suite de l'arbre de l'évolution. Alors, j'ai oublié de parler de. Bon, du coup, je reviens de. Donc, ça, c'était des illustrateurs, parce que quand même, Ouais, ils ont pas mal donc il y a bossé. toi qui dessinais, plus trois autres illustrateurs, tu me disais. Ouais, alors là, du coup, on est sur les illustrations de Guillaume, hein, Follet, ouais. Hop. Le premier illustrateur, donc ça, il est arrivé un peu après dans le projet. Et il est très, voilà, vous avez vu, il fait des très beaux dessins, tout ça. Après, il y a Carrément. l'illustrateur Black and White. Black and White, ça, c'est The Morel, genre plus d'enfer, voilà. The Morel. Il a un Instagram avec un petit tiret The, un underscore Morel. Vous pouvez voir, il fait plein de dessins. Donc lui, il a fait par exemple celui-là, il est sur le noir et blanc, il a fait celui-là. Voilà. Et donc moi, je vous montre après. Je vais d'abord présenter les autres. Et ensuite, bah, les archétypes que vous avez vus, le bar au début, les paysages et tout ça, ça c'est Vincent Collomb. Donc lui, il a fait beaucoup d'illustrations, il était dès le début sur le jeu, tout ça. Bon, là, il a fini les illustrations qui étaient prévues. Voilà, donc là. Ah, et on a aussi avec la couverture du collector. Donc, c'était celle qui était au tout début, je vais revenir. Voilà, hop. Bon, ça coince un peu. Donc ça, par exemple, Vincent Collomb. Voilà, ça, c'est une des illustrations. Vous voyez, bon, ça se passe dans l'espace, c'est plutôt sympa. Donc, voilà, ça c'est lui aussi. Ouais, voilà un peu les archétypes là avec voilà le hiérarque, le D'accord. psionique, Mars. Je montre un peu Mars, le Stellar Ouais. Bar. Le Hop. Stellar Et Bar, c'est pour ouais, c'est pas mal le Stellar Bar. D'ailleurs, dans le premier scénar, on peut y boire plein de coups avec des boissons un peu étranges. Et là, voilà, celle-là, c'est Aurore Folny, en fait, qui s'est occupée de produire cette image, qui est la couverture du collector, puisque, bon, j'avais dit, si jamais on arrive à atteindre, on aura une illustration d'Aurore Folny, qui est une très bonne illustratrice, et du coup, elle nous a fait ça, personnellement, mais je sens que je suis pas objectif, je la Non, trouve très bien, donc mais voilà, je j'espère qu'elle trouve plaira. personnellement aussi qu'elle est très bien. En plus, c'est quelqu'un qui est réputé. Non, c'est un très bon choix. Super beau dessin. Ça fera une super couverture pour le coffret. C'est vrai que je suis jaloux. Tout à fait. Et ça, voilà. Donc après, bon, moi, je fais des élus de plus petite taille, pas des grandes élus, mais il y en a quand même une bonne quantité. Alors, je vais vous montrer. Là, j'étais sur un.
Voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire. En fait, c'est Nice Créa Dream, parce que depuis tout à l'heure, ça passe au milieu, parce que mais on évoque les sujets, pas dans l'ordre où j'ai rangé les images, mais c'est pas grave. Du coup, Nice Créa Dream Édition, avec le petit logo, là, c'est en fait, c'est Les Yeux Rouges qui ont fait ce logo, j'ai oublié de le dire, donc un illustrateur de plus. Ils ont fait le logo de la maison d'édition. Et aussi, ils ont fait la charte graphique de la maquette. Donc, ouais, la maquette qui est terminée, qui est quand même très sympa. Donc, ça, c'est The Morel, comme j'ai dit. On va arriver jusqu'au Et donc, mien. Nisra, Hop. ta boîte, c'est ça ton. C'est la maison d'édition, elle est déjà créée, hein, c'est la maison d'édition. En fait, c'est elle qui produit le jeu, avec que sur ce jeu-là, parce que comme c'est un jeu en tout, il va faire 360 pages. Voilà. En même temps, on voit un peu du matos, voilà, des armes, tout ça. D'accord. Voilà. Par exemple, j'ai fait ce chien bot. Voilà. C'est une illustration. Il y a plusieurs bots dans le jeu. Donc, Donc quand tu celui-là, parles de bots, c'est des genres de droïdes familiers ou des assistants, c'est ça? oui, c'est ça, c'est des robots, voilà. Donc, du coup, bah, il y en a plusieurs. Donc, il y a le chien, par exemple, il y a le chien bot. Je vous en ai sélectionné un autre. Ça, c'est Vince Collomb qui l'a fait. Ça, c'est un bot policier. Voilà. Et les joueurs, ils peuvent avoir leur bot aussi. Oui, puisque dans le matériel, j'ai oublié de l'évoquer, mais en fait, il y a une série de bots plutôt conséquentes et qui permet d'avoir son propre bot. Alors, bon, j'en ai sélectionné que deux parce que sinon, ça sort plus. Mais Donc, voilà. mais ça fait. Et pour la cybernétique. Par exemple, là, j'ai fait une cybernétique. Ouais. D'accord. Donc, ça fait que n'importe quel joueur peut avoir un bot dans la mesure où, en gros, bah, il peut se le payer, quoi, c'est ça? Ouais, à la création, il dit bah voilà, je prends un bot. Bon bah du coup, t'as ton bot, voilà. C'est D'accord. ça. Ah, d'accord. Donc, il peut Ouais. l'avoir dès la création avec un. Il peut l'assister dans tout le domaine, style dans le combat, dans le soin, dans. Voilà, suivant le bot qu'il prend, il y a toute une série. Donc il y a des bots médecins, des bots garde du corps, il y a des bots assassins, vous voyez, il y a un chien bot, il y a des bots pour l'esthétique aussi, qui vous recoiffent en permanence, qui volettent et qui refont votre maquillage. Enfin, il y a Ah, ouais, vraiment d'accord. pas Donc, mal ça peut de. être des bots entièrement passifs qui, en gros, vont rester dans ton vaisseau, qui vont s'occuper de toi, te couper les ongles et tout ça quand tu auras une mission, quoi. C'est ça, oui, c'est ça, il y a des bots serviteurs, Ah, tout à ça me fait. Oui, plaît, ils peuvent ça. venir. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, je vous montre. Donc, c'est un jeu spatial. Donc, bon, vous avez vu, là, c'est un pilote, par exemple. Là, c'est un stellaire qui est à son poste, hein, voilà. Donc, ça, c'est Vincent. Et donc, là, par exemple, j'ai fait un manuel avec un manuel qui est un manuel d'entretien d'un des vaisseaux du jeu, voilà. Donc, j'ai fait ça aussi, par exemple. Donc, voilà. Donc là, je vous ai montré un peu les différentes illustrations des différents illustrateurs, mais il y en a plein d'autres, quoi. Mais bon, déjà, c'est pas mal. Ça vous donne une petite Bah, idée. pour le coup, avec tous les dessins que tu nous fais passer tout à l'heure, moi, ça me fait penser à un truc. Est-ce que tu comptes à terme sortir un genre d'artbook quantique avec qui regrouperait un peu tous les dessins, mais dans un artbook, quoi? Ah, ouh, waouh. C'est pas prévu. Mais peut-être, on va voir. J'ai pas, en fait, j'ai pas du tout. Bah, je vais voir un peu s'il y a des gens qui sont intéressés. Je pourrais peut-être proposer. C'est pas prévu, voilà. Mais pourquoi pas dans l'idée, voilà. Là, on est tellement dans la production qu'on n'a pas pensé au artbook. Juste on produit, mais c'est vrai qu'il peut y avoir certains dessins qui peuvent être sympas. C'est vrai qu'il y en a certains que je trouve Ah, beaux, donc mais éventuellement. ils sont tous magnifiques, là, ceux que tu nous as fait passer, là. En plus, tu nous dis que tu en as d'autres en prévision, qu'il y en a d'autres qui vont être plus dans tous les autres livres et tout ça. Ça va faire quand même pas mal de dessins. Il y aura peut-être matière à faire quelque chose si, bon, si ensuite tu te demandes si ça t'intéresse de faire ça. Oui, bah moi j'aime bien créer le jeu, voilà, je sais faire des illustrations, je fais un peu d'illustrations, mais ce qui m'intéresse c'est surtout de créer un univers, un jeu et de faire jouer, voilà, c'est pour ça que je suis dans une association, j'aime bien l'échange, on se raconte des trucs, vraiment on participe et tout ça. Ça c'est ce qui me plaît le plus. Le fait d'illustrer, ça c'est quelque chose que j'aime bien, et puis travailler avec plusieurs illustrateurs c'est bien parce que ouais, c'est assez motivant, hein. Chacun fait son Oui, dessin. bien sûr. Et Voilà, puis, on je est pense que dans la l'endroit. mesure où tu as trois illustrateurs, chacun y va un peu
sa patte personnelle. Donc ça fait plusieurs horizons sur ton univers. Ça c'est bien, ça multiplie un peu les avis. D'ailleurs, il y a un petit film sur le site. J'ai mis un petit film qui dure 2 minutes 37. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'aller voir dans la galerie, c'est pas mal. Et il y a une musique qui est très sympa, qui a été faite par D'Apostrophe Argirol, qui est un musicien de talent. Enfin, je vous laisserai écouter, hein. Voilà. Et le petit montage vidéo avec une série d'images qu'on avait au début. Qui va présenter les thèmes du jeu aussi. Donc 2 minutes 37, assez sympa. Et pourquoi je disais ça d'ailleurs? Je ne sais plus. Pourquoi je disais ça? Que vous pouvez aller voir, voilà. Voilà, donc Par exemple. un petit film d'animation qui présente le jeu, donc disponible sur d'ailleurs un site internet dédié au jeu ou une page YouTube, un truc comme ça. Ouais, en fait, c'est Quantic Press, voilà, sur cette image, c'est écrit. Et en fait, D'accord. et donc, ce qui est pas mal, c'est que chaque illustrateur va créer sa réalité altérée, sa réalité. Donc là, par exemple, celle du film, c'est la réalité numéro 42. Bon, voilà un petit clin d'œil. Mais c'est vrai qu'il y a une autre animation qu'on a faite où c'était la réalité 25, alors le titre 06, je crois. Ouais. Voilà, donc chacun a fait sa propre réalité. C'est comme chaque MJ. On peut faire le jeu soit de manière un peu sombre parce qu'on aime bien ça, donc là on fait les bas-fonds d'une station spatiale avec voilà des mutants, des gens un peu horribles et tout ça, puis des histoires un peu sombres et tout ça, ou alors on peut la faire à la Star Wars. Il y a Rogue One qui est assez sombre, et puis il y a Star Wars. On voit que le même univers peut être abordé de différentes façons. Donc il y a Absolument. Star Wars le classique. J'ai une question de la part de Monsieur Tougui qui te demande, y a-t-il un système pour gérer les vaisseaux spécifiquement? Ah oui, ouais, j'ai oublié de le dire. Oui, tout à fait. Alors en fait, oui. Alors le combat spatial dans un jeu spatial, comme c'est vraiment un truc qui est important, on l'a testé ça. Donc on peut le jouer de différentes manières. On peut le jouer soit en light, donc il y a un système vraiment qui est pris pour qu'on puisse jouer en équipe et chacun est indispensable dans le combat spatial. Donc on peut la jouer sans matériel, on va dire juste avec des règles, mais sans matériel. Et il y a la deuxième option, il y en a qui aiment bien ça aussi, c'est-à-dire qu'on peut poser une space map, donc une space map avec vaisseau. Donc ça, c'est prévu, hein, c'est fourni avec le Ah jeu. oui, d'accord. Donc il y a vaisseau, et à ce moment-là, les joueurs, ils jouent le vaisseau. Ils peuvent être tous dans le même vaisseau ou avoir plusieurs vaisseaux. Et là, il y a un système qui est assez dynamique, qui est voilà, où on sent bien la vitesse dans les vaisseaux. On a bien la pression, parce que quand on est dans le vaisseau, si jamais il explose, bon, après, il y a des options pour éventuellement sauver les joueurs, si le MJ veut, quoi, voilà, mais qui sont proposées. Mais en tout cas, on a bien la pression, parce que quand on est nous-mêmes dans le vaisseau, et qu'on le voit et qu'il se déplace, et qu'il y a des vaisseaux ennemis qui approchent, je vous jure que vous êtes là et vous réfléchissez à quoi faire. J'imagine. Donc, Mais par du coup, je rapport trouve que c'est une vachement bonne idée d'avoir une carte fournie avec des petits tokens, en gros, de vaisseaux, parce que ça permet d'imaginer vachement la place des joueurs et de se représenter vachement la scène. Donc, par exemple, allez, imagine qu'on doit attaquer un vaisseau pirate parce que dedans, on a quelqu'un à récupérer ou chercher. Et ben, on peut se positionner dans là, moi je vais être là, je vais faire ci, je vais passer par là. Par exemple, on a fait, c'est un scénario d'abordage, hein, ça arrive. Donc, du coup, pendant qu'il y en a qui combattaient encore, qui étaient en train de combattre à l'extérieur, on va dire, à l'extérieur, dans le vide, voilà, on va dire spatial, il y en a qui ont abordé un des vaisseaux qui était immobilisé, et donc ils jouaient en parallèle. Et comme les rounds, ils sont en même temps, il n'y a pas de temps mort. Pendant qu'il y en a qui sont en train de tirer et tirer les adversaires, ben, il y en a d'autres qui avancent dans le vaisseau qui est devenu une pseudo-épave pour aller chercher leur objectif, quoi. Donc, ça permet de gérer ce genre de scénario. D'accord. Oui, c'est plutôt, voilà, D'accord, non, c'est super. plutôt agréable. Il nous reste plus que 5 minutes de temps, mon cher Mano. J'aimerais te poser une petite question en tant que moi-même étant aussi un grand fan de SF. Quels sont pour le coup toi, tes propres, je dirais, tes références, tes inspirations pour l'univers spatial? Ouah. Alors, en fait, elles sont vraiment très nombreuses, et du coup, je pense qu'on peut ressentir des petites inspirations
à droite, à gauche, mais enfin, si j'en cite quelques-unes, on va dire que le jeu ressemble à ça. Mais j'ai déjà un peu donné quelque chose. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup Dune. C'est pour ça que j'ai mis tout ce qui était politique et intrigue. Je trouve que ça a un vrai, ça ajoute un vrai plus. Ouais. Mais il y en a qui n'aiment pas trop, qui aiment l'aventure. Donc là, pour l'aventure, moi, ce que j'aimais bien, c'était par exemple Cowboy Bebop. C'est un vieux truc, hein, mais je vous conseille de regarder, c'est très bien, ceux qui aiment bien la SF et le cyber, tout ça. Cobra, c'était excellent à l'époque, voilà, mais c'est un peu vieux là maintenant. Cobra, qu'est-ce qu'il y a ? Akira, voilà. Il y a Gun qui est sorti assez récemment, donc il y a des combats d'ailleurs entre androïdes hein, qui se font dans le jeu, bien sûr, dans les bas-fonds. Voilà, ce qu'il y a, bon, Star Wars, il y a Blade Runner qui est énorme, enfin voilà, j'ai une culture, enfin j'ai, voilà, j'aime plein de choses en SF, ouais, ouais. Mais j'ai fait, enfin le jeu quand même a sa cohérence globale, hein, faut pas croire que c'est tout ça en même temps, parce qu'on peut croire que c'est assez. Ah oui, non, mais ça peut être très référencé plus ou moins directement, mais t'as voilà. L'exemple perso de. Bah, oui, voilà, c'est ça. Il y a Asimov, voilà. Moi, j'aime bien aussi tout ce qui est astronomie, physique quantique. Ça m'intéresse, donc j'ai mis ça dedans. J'aime bien tout ce qui est anthropologie. Enfin, j'ai mis pas mal de choses. J'aime bien des citations de grands hommes qui correspondent, que j'ai mis. Voilà, il y a pas mal de choses. Disons que je pense qu'avec ça, on ne va pas trop s'ennuyer. Ceux qui vont ouais, non, je suis sûr que quand tu parles de citations de grands hommes, ça me fait penser à ton système de maisons hiérarques et tout ça, donc je suppose des nobles plutôt cultivés, tout ça, donc avec une certaine culture intellectuelle, tout ça, qui seraient à même de passer un peu les bonnes références philosophiques et tout ça, selon telle ou telle situation, quoi. Voilà, c'est alors qu'il a envie, il peut, hein, tout à fait, oui, tout à fait, il peut. Mais sinon, voilà, on peut la jouer. Enfin, en gros, c'est open. Et par contre, c'est pas open, débrouillez-vous. C'est open. Et il y a les instruments pour que vous puissiez jouer ce qui vous intéresse. Donc, différentes classes sociales, différentes possibilités d'aventure, d'intrigue, d'enquête. Parce qu'il y en a qui aiment les enquêtes. Donc, d'où la police spatiale. Hein. La police spatiale, elle enquêtait. Bon, un de ses ennemis, c'est les pirates de l'espace. Bon, ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a, voilà, donc c'est pas mal. Après, il y a aussi il y a pas mal de choses quoi qui peuvent être jouées. Ah, il y a la trame principale qui est aussi aspect quantique. Si vous voulez creuser là-dedans, bah il y a plein d'histoires. Pourquoi il y a des dystopies, qu'est-ce que c'est cette dystopie, d'ailleurs ouais. C'en est une ou pas, puis elle est méchante. Je te pose une question de Elia Beaubois qui te. Et par rapport à la promotion, vous avez envisagé par exemple? Ouais, oui, en fait, les goodies, c'est la bourse Quantum. La bourse Quantum, c'est une bourse avec les jetons où on puise dedans. Ouais. Bon, du coup, pour l'instant, on reste sur ce qu'on a promis. Donc, la bourse Quantum, il y a les jetons des vaisseaux spatiaux, la Space Map, ouais. Il y a. L'écran, il peut y avoir qu'est-ce qu'il y a d'autre, c'est déjà pas mal.